Nickel, je vais prier. Abba Père, merci pour ce que tu fais pour nous chaque jour. Merci de bénir abondamment Pierre ainsi que sa famille et amis. Merci de bénir Manoa et sa famille et amis. Merci de bénir Vincent et sa famille et amis. Sandra qui n'a pas pu rester et toute sa famille et amis et tous les frères et sœurs qui écouteront cette étude. Merci de me bénir ainsi que toute ma famille et amis. Merci de nous faire comprendre ta parole et surtout que nous puissions la mettre en pratique. Merci de, comme tu dis dans Acte 1, verset 8, que nous allons encore actualiser. Décidément, j'aime bien ce verset. Nous allons encore actualiser ce soir. Mais nous recevrons une puissance, la puissance de ton Saint-Esprit survenant sur nous et nous serons tes témoins dans chacune de nos villes, dans toute la France, dans l'Europe et jusqu'aux extrémités de la terre. Tu nous dis que tout est possible à celui qui croit, Marc 9, 23, la fin du verset. Et dans Matthieu 21, 22, tout ce que nous demanderons avec toi par la prière, nous le recevrons. Luc 1, 37, car rien n'est impossible à toi, mon Dieu. Merci pour toutes ces belles promesses et j'aimerais te réclamer pour chacun de nous tous. Jérémie 17, 14, ô Éternel, guéris-moi et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé, car tu es ma louange, ma gloire. Donc merci d'être notre guérisseur, notre sauveur, notre louange, notre gloire, notre tout pour toute guérison, que ce soit spirituelle, et on en a tous besoin, psychologique et physique. Et merci de faire de nous des Béréens qui vérifions tout et des saints qui persévérons, endurons, patientons en gardant tes commandements ainsi que la foi de Jésus. Merci de faire infiniment au-delà de tout ce que nous savons te demander et penser. Au nom de Jésus, amen. Alors, ça va être un peu costaud aujourd'hui. Désolé à l'avance, je vais me faire haïr. On va parler de Noël. Est-ce que c'est la naissance de Jésus? Donc, déjà, hop, alors, je vais prendre avec vous avant de commencer, juste, alors ça, c'est dans ma Bible de mes 40 ans où ils disent. Donc avant de commencer, attention, lorsque la Bible relate un fait, elle ne l'approuve pas nécessairement. Il faut donc se demander si l'on se trouve face à un texte qui énonce une vérité toi, si c'est le cas, laquelle vérité toi, et si c'est pas le cas, ou si décrit simplement une situation, comme par exemple le meurtre quand Hérode a voulu faire périr les enfants. Forcément, elle énonce un fait historique, mais ça veut pas dire tiens, il faut tuer tous les enfants. Après, il y a plein d'autres textes. J'ai pris un des plus flagrants, mais bon, c'était juste pour comme introduction. Donc je vais faire en plusieurs mais que des petites parties. Donc une introduction, après que signifie Noël dans le dictionnaire, ensuite mais c'est vraiment une minuscule petite partie, ça va durer quelques secondes ou quelques minutes. Ensuite une deuxième petite partie, le synonyme anglais de Père Noël, ou les synonymes anglais. Ensuite que signifie Père Noël en anglais et bon ce que ça veut dire. Ensuite on va voir est-ce que normalement Noël devrait être une fête pieuse, et là c'est vraiment une toute petite partie de quelques secondes. Ensuite, on va voir est-ce que la date du 25 décembre pour Noël, d'où vient-elle? Ensuite, on va voir en Rome antique, et non pas romantique, mais Rome, plus loin antique, comment cela se déroulait. Ensuite, ça, c'est les recherches que je vous ai dit, c'est des recherches que j'avais fait il y a 4 ans sans avoir Internet, avec des encyclopédies, donc à l'ancienne, vous ne connaissez pas parce que vous êtes jeune. Et après, si j'ai le temps, donc ça, c'est une première partie où il y a 10 petits chapitres, 10 petits partie, et après une autre partie où là c'est avec Internet, grâce à Vincent qui m'avait envoyé des trucs, ça se complète de façon les deux. Alors une septième petite partie, c'est une petite phrase, vous verrez plus tard, je peux pas le dire. La huitième petite partie, c'est un peu d'histoire, comment ça s'est passé, là elle est un peu plus longue. Ensuite ça sera est-ce que toutes les églises savent que Noël, une autre partie, mais ça on verra la suite. Et ensuite une petite conclusion. Bon, déjà là on va voir le dictionnaire, qu'est-ce qu'il dit sur Noël. Donc Noël vient du latin natalis, N-A-T-A-L-I-E-S, qui signifie de naissance, de D-E, hein, et puis naissance, et puis ils ont rajouté entre crochets d-I-S, qui veut dire jour, donc jour de naissance. Alors, première définition, ils disent fête de la nativité du Christ, célébrée le 25 décembre. Ensuite, c'était marqué, je vous dis, le dictionnaire de 1993 que j'ai, c'est le plus récent, que j'avais cherché, j'avais pas internet à l'époque, j'ai fait ces recherches en 2017. Donc, l'arbre de Noël, après, ils disent, c'est un arbuste vert, souvent épicéa, mais parfois, c'est un vrai sapin. Bon, c'était à l'époque, ça date de 93, du coup, que l'on orne ou qu'on décore et illumine à l'occasion de la fête de Noël. Ensuite, il disait le Père Noël, c'est un personnage légendaire chargé de distribuer des cadeaux aux enfants pendant la nuit de Noël. Et la deuxième définition de Noël, c'est cantique célébrant la nativité, chanson populaire inspirée par la fête de Noël, populaire, pas chrétienne. Vous avez bien entendu, populaire, pas chrétienne ni croyante, mais populaire, inspirée par la fête de Noël et transcription instrumentale d'un Noël. Vous voyez, la première partie, elle est déjà finie. Synonyme, alors deuxième partie, synonyme anglais du Père Noël, on l'appelle Santa Claus, Santa S-A-N-T-A, et puis plus loin K-L-A-U-S ou C-L-A-U-S. Donc les synonymes, c'est Father Christmas, c'est Chris avec deux S avec un K, et Kringle avec un K aussi, Saint-Nicolas, Saint-Nick, Santa tout seul, Saint-Nick, mais avec S-T au lieu de Saint S-A-I-N-T, Chris Kindle avec deux K, Chris et Kindle, et ça signifie Christ Kindle, qui signifie en autrichien Christ
Christ Child ou Christkind, c'est-à-dire qui veut dire petit Jésus. Mais bon, ça me fait penser, est-ce qu'un petit bébé peut sauver? Est-ce qu'il est toujours resté bébé? Et ça m'a fait penser à une chose. Souvent, malheureusement, on fait deux représentations de Jésus, deux représentations mondaines, ou dans le monde catholique, ou dans le monde athée, ou dans le monde pas trop chez les protestants. Mais les deux représentations qu'on fait souvent de Jésus, c'est où on le voit comme un petit Jésus, toujours comme un bébé, ou où on le voit sur les crucifix, donc toujours crucifié. Et donc, ça me fait penser à deux choses. Toujours bébé, ben, donc pas de développement du salut, donc pas de salut. Toujours crucifié, vous allez me dire, je m'arrête sur des petits détails, mais toujours crucifié, ben, ça veut dire toujours mourant. Est-ce qu'il est toujours sur la croix? Ou est-ce qu'il est mort et ressuscité depuis bien longtemps? Donc, et ça fait penser à pas de vie. Et, ou sinon, toujours mort. Donc, comme quoi, il est toujours cloué. Il est plus mourant, mais il est toujours mort. Donc, pas de résurrection. Et donc, les deux, que ce soit toujours mourant ou toujours mort, ça fait pas de salut non plus. S'il n'y a pas de vie et pas de résurrection. Donc, déjà, c'est première erreur. Alors, où on imagine Jésus comme un petit bébé et il peut rien faire, un petit bébé, où on imagine Jésus cloué sur la croix. Et ça, on ne doit pas faire d'image taillée, ça, ok, mais pas seulement pour ça. Quelqu'un de, si Jésus était toujours cloué sur la croix, est-ce qu'il peut faire quelque chose s'il était toujours cloué, s'il était toujours mort ou en train de mourir? Vous allez me dire, bon, bref. Alors, troisième petit point, là, je ne vais pas me faire aimer, mais là, c'est mon interprétation à moi. Salut, Nechi. Donc, troisième petite interprétation, le Père Noël, ça se dit Santa. S-A-N-T-A. Qu'est-ce que ça fait si on inverse le A-N et le A? Ça fait Satan. Et Santa, ça fait Saint-Nicolas en anglais. Santa Claus. Et Santa Claus avec un C, si on fait de l'anagramme, je ne sais plus si c'est ce terme-là. Claus, ça fait salut, santé. Et C, si c'est un C, ça fait salut, C. Et puis Santa, si on inverse les syllabes, enfin les voyelles, enfin le an et le A, si on inverse, ça fait salut, c'est Satan. Santa Claus. Bon. Et si c'est un K, ça fait salut, K, Satan. C'est pas mieux. Et salut, santé, en plus, sachant, oui, là, j'ouvre et je ferme une petite parenthèse. Mais là, ça, c'est pas biblique, c'est mon interprétation à moi. Donc, enfin, c'est ce que ça me pensait. Donc, c'est la seule fois où vous m'entendrez dire une interprétation. Donc, prenez-y avec des pincettes. Hein, mais c'est juste que ça me faisait penser. Prenez-le pas pour argent comptant. Donc, salut, santé. C'est la croix. C'est les Romains, ils crucifiaient les gens avec sur une croix. Mais la croix, c'était censé représenter un T par le dieu Tammuz. Mais comme il fallait mettre l'inscription pourquoi la personne était crucifiée, eh ben le T, il y avait un petit rajout, quoi. D'où une croix. Mais à la base, la croix, ça devait être un T, en l'honneur du dieu Tammuz. Donc, salut, santé, c'est comme si c'était un salut sans la croix, c'est comme si c'était un salut sans la mort du Christ. Donc, s'il n'y a pas de mort du Christ, il n'y a pas de résurrection, donc il n'y a pas de salut. Bon, bref, mais ça, c'est ce que ça m'a fait penser. Bon, la troisième petite partie, elle est finie. Quatrième petite partie, le chrétien qui avait fait ses recherches avec moi, enfin, il avait fait sur Internet, c'était au tout début, j'avais pas vraiment, mais on m'avait prêté un, enfin, c'est compliqué. J'avais vite relevé des trucs, ces recherches qu'il avait fait, là, ce qui va suivre, où il avait dit cette phrase, ça m'avait choqué, je l'avais vite écrit et je l'ai recopié avant ce soir, où il dit tout d'abord, Noël devrait être une fête pieuse, et non une fête où tout le monde se livre au plaisir, c'est-à-dire l'alcool, l'orgie, l'ivrognerie. C'est clair que normalement, Noël, c'est censé représenter la naissance du Christ, donc c'est censé être chrétien. C'est la seule fête, entre guillemets, que les athées y font avec les croyants, à juste titre. Ben, ils peuvent se, désolé de parler cru, mais ils peuvent se bourrer la gueule, ils peuvent se saouler, ils peuvent bouffer à satiété jusqu'à se rompre le ventre. C'est pas ouf, quoi. À la base, si c'était, si on fêtait, et puis imaginez, on fête votre anniversaire. Donc, on va pas en venir tout de suite à la date, mais on fête votre anniversaire. Déjà, imaginez qu'on le fête pas le jour de votre anniversaire, mais qu'on le fête quelques mois avant ou quelques mois après. Bon, ça, c'est un détail, ça vous me direz, on va voir à la soeur. Pourquoi je vais pas anticiper, pourquoi c'est pas le 25 décembre, mais pourquoi ça a été fait le 25 décembre. Imaginez donc qu'on fête votre anniversaire, mais tout le monde s'offre des cadeaux, sauf à vous. Alors que c'est votre anniversaire à vous, c'est super. Donc c'est censé être l'anniversaire de Jésus, mais tout le monde s'offre des cadeaux, tout le monde se saoule la gueule, tout le monde bouffe comme un goré, mais personne pense à Jésus. Donc cette fête religieuse, entre guillemets, c'est une fête mondaine. Bon, bref, c'était première chose que ça le choquait, moi aussi. Mais et puis en plus, Élie, en hébreu, ça veut dire mon Dieu. L-E-L, ça veut dire Dieu. Noël, il y a no devant elle. Donc no en anglais, ça veut dire non ou pas. Donc c'est comme si ça voulait dire non Dieu ou pas Dieu. Déjà, ça aussi, alors que le latin, je m'excuse, Noël, ça vient du latin natalis. Noël, ça ressemble pas trop à natalis chez moi. Bon, je sais pas vous, mais bon, bref. Dies, D-I-E-S, ça ressemble à dit, comme lundi, le jour de la lune, mardi, le jour de Mars, mercredi, le jour de Mercure, jeudi, Jupiter, vendredi, Vénus, samedi, ça vient du latin, sambatideis,
en Batidei, ça ressemble samedi. Et dimanche, ben, jour du soleil. Sunday et Sonntag en, Sunday en anglais et Sonntag en allemand. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Mais bon, je trouve que ça ressemble pas trop, déjà. Et puis, en plus, ça m'a interpellé Noël. Il y en a plein qui disaient, ben, pas Dieu. Donc, c'est comme si une fête de pas Dieu. Mais bon, bref, je ferme la parenthèse. J'avais vu, il y a longtemps, je regardais souvent La Petite Maison dans la Prairie et je voyais des, bon, ben, pour Noël, les gosses, ils avaient des cadeaux de leurs parents alors qu'ils avaient pas trop les moyens. Et il y en a une, la petite dernière, qui arrive, quoi. Il lui avait donné une petite pièce, puis il dit, tiens, achète-toi ce que tu veux. Et c'était la seule qui avait acheté une petite étoile pour mettre sur l'arbre de Noël. Donc, elle, à la limite, ben, au lieu de se faire un cadeau à elle, c'était la seule qui, ben, avait fait un vrai cadeau. Enfin, bon, vous allez me dire, tout lui appartient, mais c'était la seule qui avait pas fait de l'égoïsme. Bon, bref, c'était pour, je ferme la parenthèse. Déjà, Noël, si c'était vraiment la fête qu'on pense, on devrait pas être égoïste et on devrait pas s'échanger des cadeaux. Mais après, je vais y venir, hein, mais je vais y revenir. Donc, cinquième point, la date du 25 décembre pour Noël. D'où ça vient? Donc, la date de Noël du 25 décembre provient d'une fête païenne babylonienne satanique. Ce n'est pas une fête biblique. En effet, d'après l'encyclopédie Britannica, Noël provient d'une fête païenne pour le soleil imprenable. La cinquième partie est finie. La sixième, mais on va en venir plus. La sixième petite partie. En Rome antique, les fêtes des Saturnales se célébraient du 17 décembre jusqu'au 24 décembre. Et c'était l'anniversaire du dieu soleil, et non du Christ. Et où ils se livraient tous au plaisir et ils s'échangeaient des cadeaux d'eau sans tenir compte du rang social. Et ça, c'est basé de l'histoire, sur l'histoire de l'église chrétienne. Donc, par exemple, un super riche offrait à un super pauvre et inversement, quoi. Mais ils vivaient tous, ils mangeaient, enfin, orgie, ivrognerie, tout. Septième petite partie. Ouais, tiens, je vous dis que les petites parties seront courtes. Alors, cette personne qui avait fait des recherches sur Internet, moi, c'était au tout début, j'avais que par prêt, et c'est pour ça que j'ai vite noté. Pour moi, qui suis né chrétien, c'était un gros choc d'apprendre que Noël, ce n'était pas l'anniversaire de Jésus. C'est juste cette phrase, la septième petite partie. Bon, et la huitième petite partie, un peu d'histoire. Celle-là, elle est un petit peu plus longue que les autres. Donc, depuis les premiers siècles de notre ère, donc depuis les premiers siècles de l'ère de Jésus, quoi, après Jésus-Christ. Donc, à cette époque, depuis les premiers siècles, se propage dans l'Empire romain un culte païen au dieu Mitra, indo-iranien, mais qui remontait vers 1500 ans avant Jésus-Christ. Donc, 1500 ans avant. Ainsi, Aurélien, un empereur, à l'époque, veut en faire le dieu officiel vers l'an 274 après Jésus-Christ. Il officialise cette religion et érige à Rome un temple pour Mitra pour apaiser l'Empire face aux nombreuses révoltes. Et la naissance du dieu soleil au solstice, le 25 décembre, au lieu du 21 décembre, sachant que le solstice c'est le 21 décembre. Mais pourquoi ils l'ont mis le 25 décembre? Parce que le 25 décembre, le 24 ou 25, les jours commencent à regrandir. Alors que le 21, le jour est le plus court ou la nuit la plus longue, quoi. C'est la même chose. Mais le 25, il commence à remonter. Et souvent, on appelle ça Natalis Solis Invictus, donc la naissance du soleil invaincu. Donc les chrétiens, contre cette influence croissante de cette divinité païenne, donc en mettant en place une toute nouvelle fête, celle de la naissance de Jésus. Bon, excusez-moi pour le jeu de mots, pour faire de l'ombre au soleil, faire de l'ombre au dieu soleil. Sauf que donc le christianisme appuyé par Constantin gagne sur le mitraïsme qui tombe dans l'oubli. Oui, ils ont fait de l'ombre au soleil, mais bon, c'est pas ouf si, imaginez, on fêtait votre anniversaire à la place d'un autre, mais on le fête pas dans votre... Mais bon, bref, et en plus, on en fait une chose mondaine. Bon, bref, je vais continuer. Donc, alors, là, accroché, donc, c'est des références. Ma Bible, elle a été écrite par des protestants, mais pas des adventistes. C'était où des... Non, c'est pas des calvinistes, c'est pas des baptistes. Bon, bref, c'est des protestants, mais je sais plus quelle dénomination. Mais plusieurs théologiens, écoutez bien, qui disent, on aurait tendance à croire que Jésus est né le 25 décembre de l'an 0. Déjà, l'année 0 n'existe pas. Là, c'est moi qui rajoute. En effet, parce que j'ai fait des recherches, on passe de l'an 1 avant Jésus-Christ à l'an 1 après Jésus-Christ. Il n'y a pas d'an 0, on va pas dire 0 avant Christ ou 0 après Jésus-Christ. On passe de l'an 1 avant Jésus à directement à l'an 1 après Jésus. Déjà, ça, c'est l'erreur que beaucoup font. Ensuite, la date du 25 décembre a été fixée par le pape Jules Ier en 337 après Jésus-Christ pour contrecarrer le culte concurrent de Mitra, dieu perse, donc indo-iranienne, dont la naissance était célébrée ce jour-là. D'après la Bible, Jésus est né alors qu'Hérode le Grand était encore en vie. Or, celui-ci est mort en 4 avant Jésus-Christ, 4 ou 3 avant Jésus-Christ. Et l'erreur de calcul est due à un abbé appelé Denis le Petit. L'erreur de datation de l'événement n'empêche pas toutefois que cet événement ait bien eu lieu. Et d'ailleurs, dans Daniel, il dit que Dieu, il a fait 70 semaines prophétiques à son peuple. Ézéchiel 4, verset 6, vous savez qu'un jour est égal à un an en version prophétique. Donc 70 semaines, ça fait 490 jours. Donc 490 jours, comme un jour égale un an, ça fait 490 années. Et il y a un édit qui s'est... Bon, ça serait trop long d'expliquer, mais
et qui s'est fait en 457 avant Jésus-Christ, en automne 457 avant Jésus-Christ. Mais j'approfondirai, là, je fais rapidement. Quand il parle les 69 premières semaines, donc ça fait 483 ans, vous faites 400, moins 457 plus 483, sachant qu'il n'y a pas d'an zéro, donc pour ajouter 1 au résultat, bah, ça fait 20, ça fait 26, donc plus 1, ça fait 27. Et ils disent que la première semaine, loin est retranchée, le Messie sera retranché, c'est-à-dire il sera, en gros, il sera baptisé. Et en effet, en automne 457 avant Jésus-Christ, donc il y a l'édit d'Artaxerxès, ça c'est les historiens croyants et non-croyants qui l'ont confirmé. Et comment on sait qu'en l'an 27, en automne toujours, Jésus il a été baptisé? Bah, grâce à Luc, Luc chapitre 3, je vous invite à lire chez vous, mais de toute façon je referai une étude là-dessus si ça vous intéresse. Ils disent la 15e année de l'empereur Tibère, et tous les historiens croyants ou non, la première année de l'empereur Tibère, c'était l'an 13 après Jésus-Christ. Donc la 15e, il faut rajouter 14, parce que 1 plus 14, ça fait 15. La première année, c'était l'an 13, donc la 15e plus 14, ça fait l'an 27. Et ben la 15e année de l'empereur Tibère, donc c'est le verset 1 et 2 de Luc 3, il nous dit que Jean le Baptiste baptisait, et Jésus âgé d'environ 30 ans, donc ça veut dire qu'il avait moins de 31 et qu'il avait plus de 30, il avait 30 ans et quelques mois, et ben il se fait baptiser. Donc on sait que Jésus, il avait 30 ans quand il se fait baptiser en l'an 27 grâce à Luc, qui était tout dans les détails. Et à la moitié de la semaine, il est dit dans Daniel, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. La moitié de la semaine, toujours prophétique. Une semaine prophétique, c'est 7 jours prophétiques, et 7 jours prophétiques, ça fait 7 années littérales. Donc la moitié d'une semaine, c'est 3 jours et demi. 3 jours et demi prophétiques, ça fait 3 ans et demi. Automne 27 plus 3 ans et demi, ça fait printemps 31. Et printemps 31, Jésus est crucifié pile à la moitié de la semaine. Et après, à l'autre moitié de la semaine, l'évangile est porté au monde entier. D'ailleurs, les historiens qui étaient non-croyants, ils sont devenus croyants en faisant ces recherches. La lapidation d'Étienne, eh ben, il s'est fait lapider en automne de l'an 34. Pile 7 ans après le baptême de Jésus, et pile 3 ans et demi après sa crucifixion et sa résurrection. Bon, bref. Là, ils disent que la date du 25 décembre, d'après ma Bible, a été fixée ou par le pape Jules Ier en 337 après Jésus-Christ. Mais il y a d'autres, j'ai fait des recherches qui disent oui, c'est par Jules Ier entre 337 et 340. Bon, c'est pas. Ou sinon, il y en a qui disent ça serait par le pape Liber en 354. C'est le pape qui suit, quoi. Jules Ier. Mais bon, à la limite, déjà, on sait que ça a été fixé. Moi, je pense, vu que j'avais plusieurs sons de cloche, je pense que ça a été fixé par Jules Ier officieusement, mais officiellement par le pape Liber en 354. Et comme la loi du dimanche, elle a été faite par Constantin en l'an 321, mais ça a été voté au concile en 364. Donc les deux dates sont pas fausses. Donc là, c'est pareil, les deux dates sont pas fausses. Donc pour contrecarrer le culte concurrent de Mitra, le dieu perse, dont la naissance était célébrée ce jour-là, et les chrétiens ont donc fêté Noël qu'à partir du 4e siècle, donc l'an 300 et quelques, à partir de là. Le 25 décembre, à partir duquel les jours commencent à s'allonger, était considéré comme l'anniversaire du dieu Mitra, d'après l'Encyclopédie Britannica aussi. Donc sous prétexte de briser la foi en Mitra, l'église catholique romaine s'amusait à la fête en changeant, entre guillemets, l'anniversaire de Jésus en celui du dieu soleil. Et ça a été, je l'ai pioché dans le Rameau d'or par James J. Freyer. Et d'après l'Encyclopédie Britannica à nouveau, le sapin de Noël tire son origine du rituel païen du culte des arbres. L'image du Père Noël d'un costume rouge et barbe blanche a été créée en 1931 pour la pub Coca-Cola. Sauf que là, j'ai fait des recherches un peu plus précises et merci Vincent de m'avoir envoyé. C'est même un peu avant ça. Mais ça a été mis dans les consciences à partir de l'an 1931. Mais c'était même, il y a des origines bien nordiques qui remontent à 50 ans avant même. Alors, avant-dernier petit point. Donc, toutes les églises, point d'interrogation et point d'exclamation, est-ce qu'ils savent que Noël n'est pas l'anniversaire de Jésus, mais reste silencieuse? Les chrétiens sont totalement ignorants sur ce fait que Noël n'est ni établi par Dieu, ni basé sur la Bible. Et là, ça date, c'est de l'Encyclopédie des doctrines bibliques, théologiques et ecclésiales. Et Edward Wong Bu qui dit c'est depuis 354 après Jésus-Christ que Noël a été fixé le 25 décembre, mais officiellement. Et là, c'est vraiment effrayant. Et là, est-ce que... Attendez, quoi que je vais lire. Hop. Alors, c'est vraiment effrayant. Matthieu 15, écoutez bien. Matthieu 15, 8 à 9. Ce peuple s'approche de moi de la bouche et m'honore des lèvres, mais leur cœur est bien éloigné de moi. Mais ils m'honorent en vain en enseignant des doctrines qui sont des commandements d'hommes. Bon, à partir du verset 6, même, ça serait plus flagrant. Et ainsi, vous avez anéanti le commandement de Dieu par votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé à votre sujet lorsqu'il a dit « Ce peuple s'approche de moi de la bouche et m'honore des lèvres, mais leur cœur est bien éloigné de moi. Mais ils m'honorent en vain en enseignant des doctrines qui sont des commandements d'hommes. » Bon, il y a, mais je vais laisser pour un peu après, Marc 7, mais version Louis II, c'est encore
encore plus flagrant. Écoutez bien ce qu'il dit, c'est vraiment effrayant. Donc, puisque toutes les églises observent des commandements, est-ce que toutes les églises observent tous les commandements d'hommes, des traditions, coutumes non bibliques? Il n'existe aucune qui adore Dieu sincèrement, réellement. Et après, y a-t-il une église qui sait que Noël du 25 décembre est le jour du culte du Dieu Soleil? Et ce jeune qui était chrétien, enfin ce jeune, mais je sais pas son âge, il rajoute, c'est une vraie surprise dans ma vie. Non, c'est une nouvelle que toute l'humanité doit savoir, doit connaître. Bon, désolé de vous. Et par contre, la conclusion, j'ai aimé, et après, moi, c'est encore moi qui ai fait des recherches, la conclusion à son étude, à cette personne, il dit que ce nouvel éclairage sur la tradition, ne vous empêche pas de fêter Noël comme il se doit le 25 décembre prochain, mais j'espère que vous aurez une petite pensée émue pour Mitra au cas où un rayon de soleil vienne éclairer cette soi-disant sainte journée. Après tout, c'est sa naissance que vous célébrez. Pomme. Je dis waouh, j'en prends plein la tête. Et écoutez bien la suite, là c'est moi qui, pour faire la conclusion de la conclusion, le New Catholic Encyclopédia, donc c'est un truc catholique, écoutez bien ce qu'ils disent. Donc ils tendent le bâton pour se faire battre. Il était tout à fait naturel et logique que l'instrument de salut devienne l'objet d'une vénération et d'un respect particulier. Pardon, j'ai du mal à me relire, point de suspension. Celui qui adore les images adore la personne qu'elle représente, pour n'importe quelle image que ce soit. Donc celui qui adore les images adore la personne qu'elle représente. Donc il donne le baston pour se faire battre, parce que qu'est-ce que dit Exode 20? Après, je vais juste prendre quelques petits versets, et après, si on a le temps, faire une autre petite partie pour approfondir. Mais regardez ce que dit Exode 20, verset 3 déjà, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Verset 4, tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune ressemblance quelconque des choses qui sont là-haut dans les cieux, ni ici-bas sur la terre, ni dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car je suis l'Éternel ton Dieu, un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen. Et juste pour encore 2-3 autres versets, et après j'aurai quasiment fini, c'est Lévitique, pour une fois, tiens, Dieu il m'en a pas rajouté, enfin pour le moment. Lévitique 26, verset 1, où il est écrit, vous ne vous ferez point d'idole, et vous ne vous dresserez ni image taillée, ni statue, et vous ne mettrez pas de pierre ornée de figure dans votre pays, pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel votre Dieu. Et oui, il y a psaume 96:7, quoi. Je crois que c'est le 96, je trouve bizarre que ce soit le 96. Oui, c'est pas celui-là, mais il est bien. Rendez à l'Éternel, famille des peuples, rendez à l'Éternel la gloire et la force. Amen. Attendez, c'est pas celui-là. Ah oui, c'est 97:7, je me disais aussi. Mais bon, j'ai fait un lapsus, mais bon, c'était pas... il est bien aussi. Rendez à l'Éternel, famille des peuples, rendez à l'Éternel la gloire et la force. Donc 97:7, que tous ceux qui servent les images et qui se glorifient des idoles soient confus. Vous, tous les dieux, avec un petit dé, prosternez-vous devant lui, devant le seul Dieu, quoi. Donc tous ceux qui servent les images, ils seront confondus, quoi. Et voyez, l'encyclopédie catholique, il dit celui qui adore les images adore la personne qu'elle représente, alors qu'ils ont plein d'images. Bon, ils tendent le bâton pour se faire battre, quoi. Et juste pour finir, ainsi finalement, ça y est, ils m'en rajoutent. Donc Apocalypse 13, on va prendre juste 1, 2, 3, 4, 5, 5 petits versets dans Apocalypse 13, mais de toute façon, je ferai une étude sur Apocalypse 13. Donc écoutez bien le verset 3 et 4, et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais cette plaie mortelle fut guérie. Déjà, je sais pas, bon, j'ouvre et je ferme une parenthèse, une plaie mortelle, chez moi, ça conduit à la mort, comme son nom l'indique, mortelle, ça veut dire que ça aboutit forcément à la mort. Donc fut guérie, c'est comme si on disait, je monte en bas ou je descends en haut. Parce qu'une plaie mortelle, normalement, tu meurs avec une plaie mortelle. Mais cette plaie mortelle fut guérie et toute la terre était dans l'admiration, suivie la bête, et on adora le dragon qui avait donné son pouvoir à la bête. On adorait, Apocalypse 13, j'ai lu le 3 et le 4, et le verset 12 qui dit, elle exerçait toute la puissance de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la plaie mortelle avait été guérie. Et le verset 14 à 15, écoutez bien surtout le 14, et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de dresser une image à la bête qui, après avoir reçu le coup mortel de l'épée, était encore en vie, et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parla, et elle fit mettre à mort tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête. Amen. Et vous avez vu, d'après le New Catholic Encyclopedia, celui qui adore les images adore la personne qu'elle représente. Donc si on adore l'image de la bête, on adore la bête qui est représentée par cette image. Bon bref, je ferme la parenthèse. Et Apocalypse 14, versets 9 à 11, donc c'est le troisième message des trois anges, et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il en prend la marque au front ou à
à la main. Il boira aussi du vin de la colère de Dieu, du vin pur préparé dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre en présence des saints anges et de l'agneau. Et la fumée de leur tourment montera au siècle des siècles, et ils n'auront aucun repos, ni le jour ni la nuit, ceux qui auront adoré la bête et son image, et quiconque aura pris la marque de son nom. 9, versets 9 et 10. Pourquoi il m'est... Ah oui, je sais pourquoi, ok. Alors l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au banquet des noces de l'agneau. Il me dit aussi, ce sont là les véritables paroles de Dieu. Or, je me jetais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. Donc, voyez, hein, il allait adorer un ange et l'ange lui dit, non, adore Dieu. Du style, adore Dieu seul, quoi. Apocalypse 22, c'est dans le même style, 8 à 9. Et moi, Jean, je suis celui qui ai vu et entendu ces choses, et après les avoir entendues et vues, je me jetais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, car je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre, adore Dieu. Et entre parenthèses, c'est marqué seul, donc adore Dieu seul. Et juste un dernier verset, donc c'est pour dire, c'est un bonus pour dire comme quoi il faut adorer Dieu seul. Donc si on ne doit pas adorer les anges, encore moins les saints, entre guillemets, ni Marie, vu qu'on doit adorer Dieu seul, regardez dans Actes, et ni le pape non plus, on ne devait pas se prosterner ni lui baiser la main, parce que regardez Actes 10, verset 25. Et comme Pierre entrait, Corneille alla au devant de lui et se jeta à ses pieds, l'adora. Mais Pierre le releva en disant, lève-toi, moi-même aussi, je suis un homme. Amen. Donc, voyez, on ne doit pas adorer, on doit adorer aucun homme, aucun saint, on doit adorer Dieu seul. Donc, déjà, c'est clair là-dessus. Bon, une histoire millénaire. Alors là, c'est encore plus fort. Là, on a vu, que l'autre, il disait, que c'était une tradition et que c'était pas chrétien. Mais là, c'est fait par un mec qui aime les traditions et qui veut remettre les traditions au goût du jour. Et là, par contre, pour voir la différence, là, c'est que, comment dire, je trouve pas mes mots, c'est pas des recherches par aucun bouquin, là, c'est que Internet. Et regardez, alors que,